j'accompagne les marques dans la définition de leur stratégie digitale et dans leur stratégie de ciblage. Donc, je travaille avec une agence média et toutes les équipes marketing. On doit construire ensemble le mix digital, les réseaux qu'on va activer, les lieux où on va communiquer. Kronenbourg, la marque, oui, fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais également toutes les autres marques du portefeuille. Ce ne serait pas un commentaire, ce serait une photo. On a vu plusieurs consommateurs qui se sont tatoués les logos de nos marques. Oui, je suis un petit peu addict aux réseaux sociaux. Je revérifie régulièrement dans la journée mon Instagram et mon Facebook. C'était sur Grimbergen Pale Ale. Dans cette vidéo, on a mis en avant les process de fabrication de cette bière qui sont assez innovants et un peu différents de ce qu'on fait d'habitude. J'ai essayé blonde et ça ne marche pas. Il y a 3 ans en apprentissage et ensuite je suis passée à l'équipe digitale en tant que chef de produit et après en tant que digital media manager. C'est des produits qui ont un univers assez intéressant et c'est une très bonne entreprise, très conviviale avec des valeurs environnementales assez importantes, donc ça me correspondait bien. Mon petit chou, c'est Skol, parce que c'est là où j'ai commencé. Toutes les semaines, on reçoit un gros fichier avec toutes les performances des campagnes. Je peux voir si le job qu'on avait fait en définissant une stratégie avait bien marché. C'est ma partie préférée, parce que j'arrive à voir les résultats de tout mon travail. Il faut être super curieux, il ne faut pas rester sur ce qu'on croit savoir. Et les moteurs de recherche sont mes meilleurs amis. Je sais trinquer en 4 langues, en espagnol, salud, en anglais, cheers, en français, santé, et en norvégien, skål.